Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte durant cette émission, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du Commun. Bonjour Benjamin. Bonjour Corentin. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du statut de l'œuvre et de l'auteur au sein des maisons d'édition. On l'a dit la dernière fois, l'auteur est force de proposition au sein d'une structure éditoriale. Il est celui qui amène l'idée de l'œuvre en premier lieu, souvent. Le contrat qu'il signe avec son éditeur, on peut dire qu'il va être définissant dans la relation qu'il va entretenir avec lui durant le travail. Tout à fait. Même si effectivement le contact est avant tout une relation affective et d'entente entre une ligne éditoriale et le travail d'un auteur ou d'une autrice, il faut forcément passer par un contrat pour que les deux parties sachent où elles vont. Donc on est à la fois sur une relation légale et humaine. Voilà, on a bien sûr, et ça c'est inhérent, je pense à toutes les maisons d'édition, une forte relation et un travail de sens commun à un catalogue, identité, etc. Et on passe par une étape qui est de construire un contrat pour savoir si et comment et où nous allons travailler ensemble. Et du coup, tu peux nous parler un peu de nos contrats à nous, comment est-ce qu'ils sont construits ? Oui, alors je fais un léger détour peut-être par la base de ce que définit un contrat d'auteur. Il définit qu'est-ce qui est cédé, pour quelle contrepartie, sur une durée, un territoire et une possibilité de production dérivée. Quoi. Et donc nous, notre contrat est assez particulier. On s'est appuyé sur un contrat pensé par l'association libriste Framasoft, qui a co-construit avec un juriste, Benjamin Jean, les détails de ce contrat particulier, donc, qui est un contrat de cession de droits non exclusifs et qui est au préalable adossé à une licence Creative Commons. Mais du coup, Creative Commons, c'est une démarche entre guillemets, de créateur, pas forcément d'éditeur d'habitude. Comment ça se passe pour accompagner les auteurs là-dedans ? Mais effectivement, donc c'est normalement à la personne qui produit une œuvre d'y appliquer une licence de droit commun ou de dérivé comme une licence Creative Commons. Pour plusieurs raisons, c'est bien nous, lorsqu'on vient à proposer un contrat face à un manuscrit et une œuvre qu'on veut éditer, de proposer la possibilité de mettre une licence Creative Commons. Donc c'est bien de la suggestion et de la pédagogie de notre part de proposer cette licence-là. Et par contre, contractuellement parlant, c'est bien un engagement écrit et rédigé par l'auteur ou l'autrice elle-même qui place son œuvre sous une licence. Cet engagement, il est compris dans notre contrat ? Voilà, et effectivement, notre contrat, il fait 6 pages, dont la dernière page qui est cette annexe, qui est l'application de telle licence Creative Commons pour telle œuvre par l'auteur ou l'autrice un tel, okay. Ou une telle. Et on va revenir sur les Creative Commons, mais rapidement, 6 pages, c'est beaucoup dans le milieu éditorial. Alors, je ne suis pas un expert, mais des contrats que j'ai vus passer d'autres maisons d'édition, j'ai l'impression que c'est plutôt une moyenne basse, mais je pense qu'on peut toujours faire plus bas, notamment en changeant la taille des caractères. Ok, du coup, pour ce qui est des Creative Commons, il y a quand même une chose à pas perdre de vue, c'est que c'est quelque chose qui vient s'accoler au droit d'auteur et à la protection de la propriété intellectuelle de base, qui est, on va dire, la première couche de protection qui est accessible à tous les auteurs. Il n'y a pas besoin de démarche pour le faire. L'acte de création est suffisant, normalement, pour être défendu par la notion de droit d'auteur. Et puis nous, ensuite, du coup, on vient proposer d'accoler cette licence Creative Commons qui peut prendre plusieurs formes. On part du CC0, qui implique qu'une œuvre est totalement libre de diffusion. Elle implique, c'est pas nécessaire de citer la paternité de l'œuvre.
On peut la diffuser comme on le souhaite. Et au-dessus viennent tout un tas de modules qui peuvent se rajouter et qui limitent de plus en plus la libre diffusion de cette œuvre-là. Nous, aux éditions du Comment, on en est où de ce point de vue-là ? Donc nous, on a la licence particulière qui est, si je fais un petit peu d'acronyme jargon anglophone, la CC BY NC-SA. Qui veut dire, le bail veut dire qu'on attribue la paternité ou la maternité de l'œuvre à la personne qui l'a créée. Le SA, c'est share alike, donc partagé dans les mêmes conditions. Donc toute personne qui reproduit, réutilise, mixe cette œuvre-là devra produire son œuvre elle-même en licence Creative Commons. Et la NC, qui est donc non commerciale, l'exploitation de cette œuvre sous licence libre peut se faire du moment qu'elle n'amène pas une rémunération et une exploitation. En parlant de rémunération, c'est quoi généralement les chiffres ? On les a déjà évoqués au précédent épisode, mais tu peux nous rappeler les chiffres associés à la rémunération de l'auteur dans le contrat ? Et déjà, je profite de cette question-là pour celles et ceux qui l'auraient compris, il y a une petite subtilité. Si on met une licence non commerciale et que derrière, on vient faire une exploitation commerciale aux éditions, c'est bien là où relève toute la subtilité de notre contrat d'édition. On applique bien on propose à l'auteur ou l'autrice d'appliquer une licence Creative Commons non commerciale. Et on vient, nous, en dérogation de ce non commercial, ouvrir une brèche sur un temps donné, sur un territoire donné, pour l'exploitation commerciale de l'œuvre. Et donc, ça implique une rémunération. Et donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, on est, nous, sur une rémunération de 8% du prix de vente hors taxe pour un auteur ou une autrice individuelle. Et dès qu'il y a deux personnes ou plus à l'origine de l'œuvre, on est sur du 12%. Et ça, tu dirais que c'est une moyenne ? C'est la moyenne nationale et c'est un chiffre qu'on cherche à monter progressivement pour atteindre plutôt une valeur de 10% et de 15% là sur 2020. Il y a des choses sur lesquelles on est un peu moins classique que la rémunération, notamment la notion de non-exclusivité. Je pense à ça parce que dans certaines maisons d'édition, il peut y avoir des durées de cession de droits sur 5 ans par exemple, où l'auteur va en gros confier les droits d'exploitation de son œuvre sur une durée à la maison d'édition. Il y a aussi des notions de contrat de préférence, par exemple, qui vont impliquer que si l'auteur rédige une autre œuvre à peu près dans le même genre que la précédente, la maison d'édition chez qui il a précédemment édité aurait préséance pour l'exploitation de cette œuvre. Et ça, effectivement, on a décidé, sur la même base que ce qu'avait décidé Framasoft avec Benjamin Jean, de l'exclure de notre contrat. C'est-à-dire qu'en se rappuyant de base sur la licence Creative Commons, on vient dans une dérogation très précise pour une édition papier du livre qu'on a, sur lequel on est parti au travail avec l'auteur ou l'autrice, et c'est tout. Voilà. Et le reste réappartient, dans le cadre de la licence Creative Commons à poser au départ, à un libre choix de l'auteur ou l'autrice, de partir en négociation sur une traduction dans un autre pays, de partir en droit dérivé sur une création cinématographique de l'œuvre, etc. Et potentiellement aussi partir sur une nouvelle édition de l'œuvre identique chez un autre éditeur. C'est ça souvent qui perturbe le plus les gens, c'est que techniquement, bien sûr que dans un contrat classique, l'auteur ou l'autrice est protégé par le fait de pouvoir rompre à tout moment, de manière unidirectionnelle, le contrat pour des accords et peut l'argumenter. Nous, au-delà, elle peut ne pas être satisfaite de ce qu'on fait de l'œuvre actuellement et repartir en parallèle sur une autre œuvre, qui est dans la réalité bien plus complexe parce que les risques pour un autre éditeur de se lancer dans une édition d'un livre déjà en librairie est toujours un peu compliqué. Quoi. Et du coup, pour revenir un peu sur la base de nos contrats, on parlait de Framasoft. On est allé interroger Benjamin Jean, le fameux juriste spécialisé dans la propriété intellectuelle, qui a rédigé ces contrats à l'origine. Alors, bonjour Benjamin. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu et présenter son travail ? Oui, bien sûr. Alors,
Donc Benjamin Jean, je suis juriste de formation spécialisé en propriété intellectuelle et ça fait maintenant bientôt une vingtaine d'années que je travaille sur, ou je m'intéresse plutôt au sujet des modèles ouverts, différents modèles ouverts, donc logiciels libres, contenu ouvert, open hardware, donc les modèles ouverts collaboratifs, donc une multitude d'acteurs qui travaillent ensemble et qui diffusent leur production. Et j'ai fondé donc en 2011 un cabinet de conseil qui travaille essentiellement sur ces sujets. On accompagne les acteurs privés et publics dans la mise en place de projets ouverts collaboratifs pour accompagner leurs propres missions. On travaille aussi avec de plus en plus d'écosystèmes, donc des acteurs qui entre eux souhaitent se réunir et pouvoir concevoir et maintenir, donc faire évoluer des ressources qui ont été coproduites. Donc ça, c'est ma casquette un peu professionnelle. Ensuite, côté plus associatif, militant, je suis impliqué dans l'association Framasoft depuis de longues années. Souvent d'ailleurs avec cette casquette juridique, j'avais notamment à cette occasion créé l'association Pénibilité Livrée. C'est une structure dédiée à l'accompagnement dans l'utilisation des licences libres pour tout type d'auteurs. Et pour finir, je suis aussi cofondateur et président de l'association Open Law, qui est une structure qui réunit les acteurs du monde, une structure associative qui réunit les acteurs du monde du droit autour de cette idée aussi d'innovation collaborative. Ok, ça fait beaucoup de structures avec lesquelles tu as travaillé. Est-ce que ça t'est arrivé de travailler avec des structures éditoriales dans ce cadre-là ? Alors oui, d'une part au sein de Framasoft, lorsqu'on a mis en place au sein de Framasoft un projet qui s'appelait Framabook, qui cherchait justement à rentrer dans une logique d'édition d'un certain nombre d'ouvrages limités, puis d'ailleurs mon premier ouvrage qui était publié dans ce contexte, on faisait partie, et c'est là où on avait eu un premier, d'une part un travail sur les contrats d'édition, on pourra en reparler, et puis d'autre part toute une réflexion aussi sur l'accompagnement des auteurs quant aux conséquences du choix du modèle libre et ouvert pour la publication d'ouvrages. Ensuite, j'ai été amené à travailler avec un certain nombre de maisons d'édition universitaires qui aussi, et notamment dans les sciences humaines et sociales, sont assez ouvertes à ces sujets et donc favorables à une ouverture par la diffusion sous une licence libre des textes qu'elles éditent, mais est confrontée aux mêmes difficultés d'explicitation auprès des auteurs, donc d'accompagnement. Alors pour rester proche de cette thématique du livre, tu dirais que c'est quoi les enjeux principaux quand on travaille sur du libre dans le domaine du livre ? Alors pour commencer du libre au sens large, je pense que la plus grande difficulté du libre, c'est que c'est un modèle qui a réussi, c'est-à-dire que là où il y a un certain nombre de projets complètement ouverts, collaboratifs, qui sont devenus des références dans leur domaine et qui ont même éclipsé toute concurrence qui serait issue de modèles beaucoup plus fermés, propriétaires. Ça, c'est le premier constat qui est plutôt positif. C'est vrai dans le logiciel, je pense Wikipédia pour l'encyclopédie, en termes de bases de données, il y a un certain nombre de bases de données comme OpenStreetMap ou Tela Botanica, OpenFacts, qui sont des vraies réussites, sur lequel d'ailleurs maintenant de plus en plus d'industriels, en tout cas d'entreprises, s'appuient et d'administrations pour leurs propres projets. Donc ça, c'est un constat plutôt favorable. En revanche, la difficulté est plus dans le modèle économique. Donc à la fois la valorisation du projet et même dans une compréhension plus large de ce que les modèles ouverts apportent comme valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, on ouvre donc à tous les vents et on va générer beaucoup plus d'opportunités pour beaucoup plus d'acteurs. Et donc faire la part des choses entre l'opportunité qu'offre le modèle ouvert et la capacité de chaque acteur à capter une partie de la valeur qui a ainsi été générée. Et je pense que c'est la même chose qu'on va retrouver dans le cadre de l'édition libre, c'est-à-dire réussir à avoir un modèle qui aurait une équation économique pérenne, qui fasse vivre les auteurs, qui fasse vivre les éditeurs et qui puisse profiter, je dirais, au maximum de ce que le numérique offre justement en utilisant le modèle ouvert. La difficulté du numérique, c'est de le faire qu'à moitié. Et c'est vrai pour plein d'autres choses, et notamment donc pour les logiciels libres, les modèles libres et ouverts. C'est-à-dire que si on en reste à l'aspect juridique, donc premier aspect juridique qui est le choix de la licence, je diffuse sous une licence libre. Alors d'un point de vue juridique, c'est déjà une bonne chose. On a validé, sécurisé un certain nombre de choses. Mais
Mais faire que ça, c'est s'ouvrir à tous les risques, ou en tout cas à tout ce que... c'est se mettre en déséquilibre, puisqu'on sort d'une zone de confort qui a été éprouvée, alors qui fonctionne ou pas selon les acteurs, mais qui est connue, pour entrer dans un monde où finalement on n'est pas du tout armé pour tirer profit de ce que ce monde peut nous offrir. Donc je pense que souvent, beaucoup d'acteurs s'arrêtent à mi-chemin, et sont déçus parce qu'il n'y a pas eu les retours attendus en termes de contribution sur les ouvrages, en termes de traduction d'un ouvrage parce que les gens pouvaient le faire, et en termes de valorisation même secondaire attendue de la diffusion. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas anticipées et qui du coup ne se réalisent pas et déçoivent. Là, c'est plein de choses que je donne pêle-mêle, mais il y a vraiment cette question de comprendre exactement, comprendre au plus juste ce qu'on veut faire, et puis mettre en place toutes les billes, puis bien sûr, il va falloir itérer, et puis au fur et à mesure modifier, mais au moins on a un cadre global dans lequel s'inscrit à la fois des objectifs de valorisation, des objectifs de maximiser ce que le numérique peut apporter, notamment au monde de l'édition, une compréhension globale nécessaire. Pour revenir un petit peu sur Framasoft, toi, quand tu as rédigé ces contrats, qui sont devenus les nôtres du coup, c'était quoi les enjeux que tu avais en tête ? En fait, la volonté, c'est la chose bien. On avait fait ça avec Christophe Mazzutti, qui était à l'époque le président de Framasoft, et qui portait vraiment à bout de bras le projet Framabook. L'idée, c'était de faire en sorte de pouvoir accompagner tous les auteurs, comme l'aurait fait gérer une maison d'édition, sauf que nous, on était associatif, on n'avait pas de modèle économique réel. C'est un peu paradoxal, regarde ce que j'ai dit juste avant, mais on était plus dans l'idée d'explorer, de montrer qu'il était possible de faire de la sorte, pas forcément de gagner de l'argent par la vente d'ouvrages. Et donc, dans le cadre de Framabook, l'idée, c'était de faire en sorte qu'il y ait un contrat d'édition, qui est donc un contrat d'entreprise. Tout le monde s'engage dans un contrat d'édition. Celui qui cède une partie, donc de manière exclusive en l'occurrence, ses droits, et celui qui les reçoit pour en faire une exploitation. Donc, c'est un contrat un peu atypique. Et donc, dans ce contrat-là, intégrer tout ce qui est relevé des licences qui allaient être utilisées pour la diffusion de l'ouvrage, et toute la partie un peu plus classique, mais je dirais process, entre l'auteur et l'éditeur pour faire en sorte que l'ouvrage puisse vraiment paraître. Selon toi, c'est quoi l'impact du modèle ouvert sur l'économie du livre ? Alors, pour prendre l'exemple de Framabook, l'autre exemple que j'aimais bien aussi, qui est dans une édition vraiment à part, c'était le modèle de Césamat. Césamat, c'est une communauté de professeurs de mathématiques qui s'était réunie, qui avait produit leur propre ouvrage mathématique, qu'ensuite les écoles, les collèges, achetaient pour leurs propres élèves. Et ils se sont fait dépasser par le succès. Je trouve que là, c'était assez opportun de faire du livre, parce que ça n'enlevait rien, au contraire. En fait, vraiment, ça leur a permis de gagner en agilité. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait reprendre les différents exercices, composer des fiches pratiques à leurs élèves, vraiment à façon. On gagnait en agilité, en collaboration, et je pense que c'est une belle histoire. Pour le choix de Framasoft, c'était assez facile, puisque finalement, ce qu'on a considéré, c'est que uniquement les versions de papier donneraient lieu à une vente. Et un bénéfice qui n'était pas grand-chose, mais qui était néanmoins existant. En plus, on a cherché, encore une fois, parce qu'on est une petite structure et que le but était de... surtout pas de s'imposer trop de contraintes de production des ouvrages en tant que tel. On est passé sur de la pression à la demande pour tout ce qu'on vendait ensuite. Et donc, ça coûte un peu plus cher. Mais d'un autre côté, nous, on avait des frais de fonctionnement très faibles, donc ça permettait d'intéresser plutôt largement les auteurs. Je ne sais pas s'il y avait moins de ventes que dans un autre... Si les auteurs étaient passés par un autre éditeur, mais ils en avaient suffisamment, et surtout, en plus, il y avait un pourcentage assez important qui leur était repartagé, donc la Suisse s'y retrouvait. En tout cas, pour ce qui concerne Framabook, le résultat était positif et pas négatif. Okay. Maintenant, s'il faut étendre ce modèle à d'autres éditeurs, je pense que c'est potentiellement... En fait, je pense que la complexité, elle n'est pas liée à ce qu'on a pu faire dans le cas de Framasoft au début, qui font encore beaucoup, c'est-à-dire la vente de livres papier, parce que tout le monde paye pour le livre papier, et puis ça a du sens, et c'est même de plus en plus facile de produire localement. Il y a des choses qui se sont adaptées et qui sont assez intéressantes. Non, ce qui est compliqué, c'est de faire payer autre chose.
Donc, si on fait, notamment si on fait que du numérique, qu'est-ce qui donne lieu à rémunération ? En fait, ce qui est dur, à mon avis, mais il faudrait reprendre, c'est une équation globale, parce que si on ne vend pas de papier, on a aussi moins de frais fixes liés à l'impression. Donc, c'est, je pense que c'est vraiment une équation globale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le numérique et dans le numérique, l'open, les modèles ouverts vont maximiser la diffusion des, vont permettre en tout cas de maximiser la diffusion des ouvrages. Il faut réussir sur cette diffusion maximisée en avoir une quote-part, un pourcentage qui soit suffisant pour qu'on ait un modèle économique pérenne. Donc on va peut-être chercher à gagner moins sur chacun, mais à gagner sur beaucoup plus. Encore une fois, merci beaucoup à Benjamin de nous avoir accueillis pour cette interview. On peut voir que il y a quand même une dimension qui est profondément politique dans ces contrats libres. Tu dirais que c'est le cas aux éditions du commun ? Clairement, ça fait partie de notre identité comme la ligne éditoriale qui se dessine et sur le fait que ce soit un préalable non négociable. En fait, c'est dès notre première publication, on est parti sur ce type de contrat et c'est quelque chose qui, comme on l'a évoqué dans l'épisode précédent, fait partie aussi d'un geste pédagogique de travail auprès des auteurs autrices et on l'espère avec ce podcast auprès du milieu en général de l'édition, de collègues éditeurs, éditrices qui ne pratiquent pas ce genre de choses avant tout par méconnaissance et non pas forcément par désir de protéger ou d'avoir toujours plus de droits sur une œuvre. Et dans cette veine-là, on s'est aussi efforcé de s'emparer des enjeux numériques dont parlait Benjamin Jean. Puisque on a une pratique sur le plan numérique vis-à-vis de nos œuvres qui est un peu particulière. Tu peux nous en parler ? Mais de fait, si on place une œuvre sous licence Creative Commons, c'est déjà une bonne base, mais de favoriser sa réutilisation, au-delà de numériser soi-même à la maison chaque page d'un livre papier pour pouvoir réexploiter l'œuvre, c'est quand même une démarche supplémentaire et importante. Donc il nous semblait dans la suite logique important de pouvoir rendre disponible numériquement l'œuvre. Donc ça passe pour nous par déjà une forme à minima qui est le PDF, qui n'est pas satisfaisant pour plein de raisons, notamment sur le fait que le format PDF est un format fermé dont les propriétaires sont Adobe et donc il y aurait plein d'autres choses mieux à faire, mais c'est déjà une base. Et après, on a essayé de placer un curseur idéal qui est ce que l'on souhaiterait qu'il soit possible et une discussion avec les auteurs-autrices sur ce qu'il est envisageable de mettre en ligne ou pas. Voilà, parce que déjà, de faire signer dès le départ une licence Creative Commons, c'est déjà un engagement des fois nouveau et surprenant pour les auteurs-autrices. Donc, en plus de leur dire qu'on arrive à créer une économie tout en mettant le texte en parallèle en téléchargement gratuit, ça vient forcément chahuter nos petits cœurs de créateurs-créatrices. Je remets sur le fait que même moi, autour de mon ouvrage sorti l'année dernière, je me suis vu me questionner sur ces pratiques. Et donc effectivement, pour nous, le curseur idéal étant de mettre l'intégralité du livre en téléchargement en PDF, on va rentrer dans une discussion avec les auteurs-autrices pour voir comment ne pas trop les chahuter à cet endroit-là et démarrer avec un minima qui serait préface, intro, conclusion, premier chapitre et voir si 6 mois plus tard, 1 an plus tard, on viendrait à mettre la suite du livre progressivement. Et on n'est pas les premiers à faire ça puisque la première maison d'édition à avoir vraiment posé un modèle un peu similaire, c'est les éditions de l'Éclat. Et pour en savoir plus, pour explorer un peu ce modèle qu'ils appellent le LIBER, contraction de cyber et livre, on est allé interroger Michel Valenzi, éditeur aux éditions de l'Éclat. Bien, bonjour Michel. Bonjour. Et bienvenue à la mécanique du livre. Pour commencer, je vais te demander si c'est possible de te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît. Eh bien, j'ai créé les éditions de l'Éclat avec mon amie Patricia Faradzi en 1985, donc c'est maintenant une vieille maison, et je suis encore plus vieux que la maison. On va donc fêter nos 35 ans l'année prochaine. C'est un catalogue qui s'est créé sur une double orientation. Au départ, il était question de publier à la fois une philosophie
qui pouvait flirter avec la littérature, et la collection, on l'avait intitulée Philosophie imaginaire, et d'un autre côté, essayer de publier des textes de littérature qui pouvaient flirter avec la philosophie. La collection s'appelait Parabole. Donc c'était déjà ces mélanges-là, ce mélange-là qu'on avait voulu essayer d'opérer au niveau du catalogue. Ok, et cette volonté-là, elle ne se retrouve pas que dans le catalogue des éditions de l'Éclat. Il y a aussi une pratique qui est un peu particulière, une pratique éditoriale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Il est question ici de parler de ce qu'on a mis en place en 2000 et qui s'appelle le Libère. Bon, je vais y arriver. Le catalogue, la maison d'édition est née en 85. Il y avait très peu d'outils informatiques. On a commencé tout de suite à travailler avec l'informatique. Et en fait, c'est ce qui nous a permis économiquement aussi de pouvoir réaliser ces ouvrages en assumant toutes les tâches. À la fois éditorial, de fabrication, de promotion, tout ce qui était lié au livre, quoi, depuis le choix du manuscrit jusqu'à sa conception, jusqu'à sa commercialisation et sa diffusion. Même pendant quelques années, on s'auto-diffusait avec un confrère, les éditions Verdier, avant de rentrer dans des structures de diffusion plus classiques comme les Presses universitaires de France ou chez Harmonia Mundi, qui nous diffuse depuis 2000. On maîtrisait l'outil. On n'était pas seulement des éditeurs avec des velléités comme ça de strictement intellectuelles. On était pris dans la matière des ouvrages, quoi. Et donc, on a suivi aussi l'évolution de l'informatique. On a, dès que l'Internet s'est commencé à se développer, on a voulu aussi être présent sur ce front. Qui est un front, hein, puisqu'on est vraiment on est en guerre de ce point de vue-là, et on a voulu être présent sur ce front en créant un site. Le site a été créé en 99, je crois, balbutiant encore à l'époque, et dans ces années-là, 98-99, on a eu un projet d'ouvrage que deux amis nous ont proposé, Florent Latrive et Olivier Blondeau, un ouvrage de réflexion sur le logiciel libre. Qui se développait à l'époque, qui commençait, hein, Linux et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, assez bien d'ailleurs. Et on a préparé ce livre avec Florent et Olivier, en cherchant beaucoup de textes sur Internet, demandant d'autorisation, Stallman, enfin tous ces gens-là, quoi, tous les historiques, disons, de l'histoire du logiciel libre. Et quand le livre est arrivé, enfin, quand on avait presque terminé l'ouvrage, moi, je réfléchissais de mon côté, en même temps que je participais à l'élaboration du sommaire, je réfléchissais à qu'est-ce que pouvait, enfin, comment adapter au livre cette idée du logiciel libre. L'Internet nous permettait à ce moment-là mettre à disposition, de donner à lire, comme on dit, à travers le site des éditions de l'Éclat, les contenus, sans pour autant que ça, enfin dans mon esprit, sans pour autant que ça nuise à la commercialisation de l'objet libre, c'est-à-dire l'objet de papier, encre et des mots qu'il contient. Et c'est comme ça qu'est née cette idée du Libère. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qui sont venues se greffer là-dessus, mais pour moi, je faisais le pari de cette possibilité de cohabitation d'un contenu libre mis à la disposition des internautes qui ne nuirait pas à la commercialisation de l'objet libre. C'était un pari volontariste, hein, je veux dire que j'avais absolument aucune idée ni d'études statistiques ni d'études commerciales qui pouvaient me confirmer ce fait-là, mais disons que paradoxalement, tout en voulant faire une expérience technologique moderne, c'est-à-dire utilisant un matériau, utilisant un outil nouveau, mon point de vue était un point de vue finalement traditionnel, à savoir que l'objet livre sous sa forme papier était irremplaçable et qu'on aurait beau le faire circuler sous X formes dans X stratosphère et cyberespace, l'objet lui-même restait inaltérable. Et donc, on pouvait faire ça. Dans mon idée, on pouvait faire ce pari. Tout le monde n'y a pas cru.
C'est le moins qu'on puisse dire. Quand j'ai commencé à mettre en ligne des ouvrages intégralement et gratuitement sur le site des éditions, ça a créé un petit tollé, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout d'un catalogue comme celui des éditions de l'Éclat. Mais c'est vrai que les libraires n'ont pas très bien réagi au début, et il y a même eu une sorte de mouvement de boycott des éditions de l'Éclat par un certain nombre de libraires qui disaient « si vous les donnez gratuitement, nous, on n'a plus rien à faire ». Donc, ils ont fait des retours, puisque les libraires peuvent renvoyer les livres qu'ils n'ont pas vendus. Il y a eu un retour massif d'ouvrages chez mon diffuseur-distributeur, qui s'est, non pas arraché les cheveux, mais qui comprenait pas la démarche. Quoi. Le fait est qu'au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que finalement, ces ouvrages qu'on mettait gratuitement et intégralement à disposition sur le site commençaient non seulement continuer à se vendre comme ils pouvaient se vendre, mais pour certains titres, les ventes augmentaient. C'est-à-dire qu'en fait, l'information qui était donnée à travers le site était vraiment fonctionnait comme une véritable information, comme on peut lire un article de journal ou comme on peut lire un compte-rendu ou quelqu'un vous en parle. Mais vraiment, on donnait du contenu et ce contenu faisait que les gens retournaient vers le papier. Et donc le livre est finalement là pour continuer sa vie et puis il est soutenu par ce nouvel outil. C'était un peu ça aussi l'idée, c'était comment trouver de nouveaux alliés dans ce monde, comme il fonctionne. Et le livre avait besoin d'alliés, il ne pouvait pas se mettre à dos l'Internet, il ne pouvait pas se mettre à dos le numérique. Donc je proposais avec le Libère cette symbiose, cette complémentarité entre les deux formats, pour parler grossièrement, quoi. Du coup, le Libère, c'est à la fois un moyen, quelque part, de revendiquer un catalogue de qualité qu'on est capable d'assumer librement. Et en même temps, ça a un impact sur la diffusion, la visibilité et même l'économie d'une maison d'édition. Ah, mais ça ne fait aucun doute. je me rappelle d'un débat qu'on avait eu. Il y avait un collectif qui s'était monté à l'époque qui s'appelait les 451, qui était un collectif un peu radical sur les questions de la librairie, la diffusion du livre, très, très anti-Internet, enfin pas très anti-Internet, mais plutôt anti-Internet, en disant que l'Internet allait nous bouffer, etc., ce qui n'est pas fou d'ailleurs, par ailleurs. Et moi, j'étais intervenu, quand on m'avait demandé d'intervenir dans le cadre de ce collectif, et j'ai parlé de ce projet-là, et il y a un type qui a dit, oui, mais de toute façon, oui, Valenzi, on sait, il fait ça pour vendre des livres. C'est-à-dire, en gros, ma démarche, elle avait été réduite à une démarche strictement commerciale, comme si j'avais fait une étude de marché et si je m'étais rendu compte qu'en donnant à lire des textes gratuitement, j'allais pouvoir vendre plus de papier. Et finalement, grâce à Dieu, si vous me permettez l'expression, c'est formidable de vendre des livres. Enfin, je trouve ça formidable qu'on puisse vendre des livres. Voilà. Et qu'on me le reproche, ça c'est une autre affaire, mais ça n'a jamais été pensé comme stratégie commerciale. Par contre, dans les faits, c'est très étonnant à quel point les meilleures ventes des éditions de l'Éclat, sur l'ensemble du catalogue aujourd'hui, ont toutes une version intégrale et gratuite, une version libère. Je ne dis pas que tous les libères se vendent plus que les autres, mais par contre, les meilleures ventes ont toujours une version intégrale et gratuite. Presque toujours. Enfin, je disais, dans 98. Enfin, j'ai pu regarder, parce que maintenant, je ne fais plus de statistiques, j'ai plus le temps. Et je sais. Disons que j'ai un cadre général, je me rends compte à peu près de comment ça fonctionne dans un cadre général, donc je ne vais plus aller regarder ceci ou cela, mais c'est vrai que ça n'a jamais nuit à la vente en ligne, ça l'a boosté quelquefois de manière incroyable. Après Libres enfants du savoir numérique, le deuxième texte qu'on a mis en ligne, avec l'accord du traducteur, Yversant, c'était la traduction et le texte latin de la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole. C'est un ouvrage que j'avais publié pour la première fois en 1993 et que j'avais dû tirer à 2000 exemplaires. Et en 2000, j'avais dû vendre, donc au moment où j'ai commencé le Libère, j'avais dû vendre 1500 exemplaires, il m'en restait 500. Donc en 7 ans, j'avais vendu 1500 exemplaires.
Dans l'année qui a suivi, on a fini le tirage, c'est-à-dire donc 500 exemplaires sont partis dans l'année. Et depuis qu'il existe une version intégrale et gratuite, texte latin, appareil critique, notes, etc., du traité de la dignité de l'homme, je crois qu'on a fait une dizaine de réimpressions, c'est-à-dire plus de 20 000 exemplaires ont été vendus depuis. Ah oui, c'est considérable. C'est considérable. Et on en vend encore entre 25 et 30 par mois de cet ouvrage qui est intégralement disponible sur le site et gratuitement. Voilà. Le cas de Pic de la Mirandole, c'est vrai que c'est assez, c'était assez étonnant. Bon, après, il y a des ouvrages qui sont plus liés à l'univers de l'Internet, comme La Tasse d'Akimbe ou des choses comme ça, qui là aussi étaient, dès la parution, a été mis en ligne gratuitement. Donc là aussi, bon, ça c'est une question. Si vous ne me la posez pas, j'y réponds quand même. C'est vrai que. C'est pas que j'essaye d'avoir un délai entre la mise en vente de l'ouvrage en librairie et la mise en ligne. Il est arrivé que ça se fasse simultanément pour des questions de disponibilité, de temps, d'envie, etc. Ou même de sujet. Par exemple, l'ouvrage sur la gratuité de Jean-Louis Sagot du Voroux, c'est un ouvrage que, évidemment, il fallait mettre en ligne immédiatement, en même temps que la vente en librairie. Et le premier tirage a été épuisé, et maintenant on a fait une édition de poche il y a deux ou trois ans, je ne me rappelle plus, enfin deux ans peut-être. Donc c'est un ouvrage qui continue de vivre sa vie de livre, en même temps que sa version libère. Du coup, sur ce sujet, Michel, il est absolument clair sur le fait que le libère, cette pratique-là, elle va apporter une forme de visibilité et donc constituer finalement une forme d'avantage économique à long terme. Aux éditions du commun, on le vit comment, ça ? Forcément pas de la même manière parce qu'on n'a pas le même historique. Les éditions de l'Éclat sont beaucoup plus anciennes que nous. Donc nous, on a à peine 4 ans de recul. Je pense comme Michel Valenzi, on pose ça en préalable et peu importe ce que ça crée. En fait, vraiment, c'est important. Et ce que j'argumente auprès des auteurs-autrices, on a testé pendant un moment et on a vu que c'était bon, donc on peut y aller. Non, c'est on fait comme ça et on se donne les moyens pour que ce soit possible et que ce soit un message fort sur la question du partage des savoirs. Et sur cet équilibre-là, d'un partage libre des savoirs au-delà de notre capacité économique à les acquérir, et en même temps de créer une économie parce qu'il y a un réel travail derrière. C'est ça que je souhaitais aussi rappeler, c'est que le livre papier a toute légitimité à être vendu parce que derrière, il y a toute une chaîne de gens qui travaillent et que l'on va décortiquer avec ce podcast. Donc nous, le retour, il est pour l'instant assez récent. De base, un peu comme l'Éclat, comme on est peu à le pratiquer, forcément déjà ça fait parler de notre démarche et donc ça porte les ouvrages comme la maison d'édition, ça c'est important. Aujourd'hui on a encore peu de recul sur un équivalent téléchargement et vente, et après il faudrait pondérer sur le fait que chaque téléchargement n'est pas une lecture, alors qu'un un acte d'achat amène beaucoup plus d'actes de gestes de lecteur, on va dire. Pour reprendre un petit peu Wooming, le collectif d'auteurs italiens qui ont aussi pratiqué depuis maintenant plus de 20 ans cette démarche-là de mettre en téléchargement gratuit leurs œuvres, alors qu'à côté ils ont créé des best-sellers vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, c'est que c'est aussi un vœu pieux que de mettre en téléchargement. C'est-à-dire que idéalement, tout le contenu éditorial à paraître chaque année devrait être intégralement aussi en téléchargement en parallèle. Ce qui permettrait aux lecteurs et lectrices d'être moins conditionnés dans leur acte d'achat par des démarches marketing, par une survisibilité médiatique de telle ou telle œuvre, mais bien par un échantillon a priori est disponible pour se donner un avant-goût de ce que va être l'œuvre et donc de décider de poursuivre la lecture dans un achat d'un livre papier. Et puis dans notre branche, ça a aussi un vrai intérêt, en tout cas pour tout ce qui est collection de sciences sociales, de vulgarisation de sciences sociales. Aujourd'hui, dans le milieu de la recherche, les logiques
du modèle ouvert. C'est des logiques qui sont vraiment valorisées, même au niveau institutionnel, où on encourage les gens à être diffusés au maximum. La fameuse citation du publish or perish, donc être publié ou mourir, elle laisse peu à peu sa place à la nécessité d'être finalement cité, vu, connu, repris par les recherches d'autres gens. Et pour ça, le modèle libre, le fait d'être diffusé le plus largement possible et le plus, avec le moins de limites possible, c'est quelque chose qui est très très valorisant. Ce qui, finalement, avec cette logique économique, peut servir à rassurer nos auteurs. Tout à fait. C'est rappeler que la libre circulation aussi des savoirs augmente forcément la visibilité, notamment encore plus quand on est une petite maison d'édition comme nous. On va des fois plus que doubler la visibilité en le rendant accessible sur Internet en parallèle de la vente papier. Et ce qui fait effet boule de neige pour la réutilisation, la citation, la critique, etc., qui met au travail l'œuvre et qui ramène toujours à la version papier au final. Ce modèle-là, c'est un modèle qui a séduit certains de nos auteurs, qui ont accepté, tu le disais, de diffuser l'intégralité de leurs textes en libre. Parmi ceux-là, il y avait Jérôme Guillet, que vous avez déjà entendu lors de l'épisode précédent, chers auditeurs. Et vous allez l'entendre de nouveau, parce qu'il avait beaucoup à dire sur comment lui, il a vécu ce moment où on lui a demandé, finalement, de mettre son œuvre en libre accès sur Internet. Du coup, tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé pour toi lors de l'établissement de ton contrat d'auteur ? Je trouverais ça curieux de ne pas en dire un mot quand même, parce que là encore, c'est un rapport assez particulier avec ton éditeur. Et d'abord, pour une raison, c'est que Benjamin a dû me cultiver d'une certaine manière de ce que c'est que sortir un livre dans une petite maison d'édition, de ce qu'on pouvait en attendre, de ce que lui espérait. Et du coup, on a parlé... à la fois de la diffusion, du diffuseur avec qui il travaille, et de la question de la gratuité. Donc, on était à cheval sur une politique commerciale, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être fait, comment le diffuseur va placer ou pas ton livre, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de nombre de librairies, quel type de libraires peuvent prendre ce livre. Qu'est-ce qu'on attend en termes de vente ? Qu'est-ce qu'on espère raisonnablement ? C'est quoi les fourchettes intéressantes ? Pourquoi on va le vendre à tel prix ou tel autre ? Donc tout ça, c'est quand même assez intéressant en tant qu'auteur de s'y retrouver, d'y comprendre. Et puis de comprendre aussi qu'est-ce que ça coûte un livre ? Qui prend quoi dans un livre ? On part. Et puis là, Benjamin m'a dit, mais par ailleurs, moi, je suis plutôt favorable, m'a-t-il dit, à ce qu'on puisse mettre les livres en Creative Commons, mais en libre accès complet. Ouais. Je lui dis, mais comment ça ? Il me dit, moi, par exemple, le livre que j'ai écrit, je l'ai mis en libre accès. Et il me dit en gros, moi, je trouverais ça vraiment intéressant que tu puisses le faire avec ton ouvrage. Il dit, écoute, je le propose à tout le monde. Moi, je serais plutôt partisan, d'une manière générale, que les ouvrages soient en libre accès. Parce que d'abord, on s'appelle les éditions du commun et l'idée, c'est d'une certaine manière de construire ou d'élargir un patrimoine commun. Et la ligne éditoriale, elle est autour du partage d'un patrimoine qui fait défaut et de traces qu'on voudrait préserver, capitaliser, etc. et rendre communes. Donc, évidemment, vu que c'est possible de dématérialiser, de rendre accessible les choses, c'est quand même très logique pour nous de défendre ça. Il fait, mais après, là, la question, c'est comment les auteurs le prennent ou pas. Et il fait, je dois t'avouer que pour l'instant, il y a deux personnes, dont moi, qui ont accepté de le faire, les autres préférant mettre en ligne, on va dire, un chapitre qui est en général l'introduction. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que il y a deux questions. Il y a une question à la fois de sens et de démarche et de ce que tu défends. Et puis après, tu as une question matérielle. C'est-à-dire que, évidemment, que pour un auteur, la question qui se pose, c'est mais en fait, les gens qui vont l'avoir gratuit ne vont pas l'acheter. Il ne faut pas faire semblant de se dire que ce n'est pas cette question qui se pose. C'est une vraie question. Alors après, il y a des gens qui peuvent se la poser autrement et qui peuvent penser que ça dévalue leur travail, éventuellement.
au-delà de ce qu'ils peuvent espérer vendre ou pas. Mais moi, très clairement, je lui ai dit, mais bon, bah, réponds-moi à cette question, parce que je pense que tu as dû y réfléchir. C'est... Et lui, il me dit, je trouve que ça fait sens, d'abord. Et en plus, je suis convaincu que ça permet de mieux vendre le livre. Parce que paradoxalement, les lecteurs que tu perds, parce qu'effectivement, tu en as quelques-uns qui auraient acheté ton livre et qui vont l'imprimer. Mais il fait, déjà, il y a un différentiel qualitatif qui est quand même très important. Hein. Et puis, il me dit surtout, la diffusion du texte par viralité va compenser largement cette perte initiale de lecteur. C'est-à-dire qu'en faisant connaître le texte bien au-delà de son cercle de départ, on va gagner d'autres lecteurs. Il fait, j'en suis convaincu, je n'ai pas assez d'exemples pour le prouver, mais tous les indicateurs qu'on a, nous, et ce qu'on entend dire aussi, et ce qu'on peut discuter avec d'autres gens dans ce milieu-là, montre que, quand même, par rapport à là où on est, nous, hein, je veux dire, c'est peut-être pas valable pour toutes les maisons d'édition, pour tous les ouvrages, mais en tout cas, par rapport aux niches qu'on est, hein, relativement, nous, c'est carrément un meilleur calcul de laisser les choses accessibles. Et il m'a convaincu en 10 minutes, et ça m'a tellement soulagé, mais tu peux pas savoir, c'est quand même incroyable parce que parce que la question de la légitimité, elle se pose une fois que ton livre il est sorti aussi, c'est-à-dire que d'un coup tu deviens quelqu'un qui a écrit un livre. Donc après commence une histoire différente du statut que cette situation te donne, mais avec lequel tu es plus ou moins à l'aise. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, on pourrait en faire une demi-heure. Toujours est-il que c'est quand même particulier de pouvoir dire à des gens, voilà, il se trouve que sur ce sujet-là, j'ai donc écrit un livre là, qui vient de sortir. Vous pouvez l'acheter sans difficulté. Il est à la fois dans des librairies, vous pouvez demander ça à votre libraire, vous pouvez l'acheter directement chez l'éditeur qui fait ce travail de vente. Mais quoi qu'il en soit, soit que vous n'ayez pas envie de l'acheter, soit que vous n'ayez pas les moyens, pas de problème, vous pouvez aussi le télécharger. Mais de pouvoir dire ça, oh mais quel confort! Quel confort! Tu vois, et puis c'est. Alors, moi, en plus, si tu veux, je parle en plus sur le fond, hein, c'est-à-dire que ce dont je parle dans ce livre, enfin, je parle de l'espace public physique et de tout ce qu'on peut s'offrir dans l'espace public physique. Ça aurait été quand même paradoxal de ne pas être dans la gratuité dans l'espace public numérique. Ouais. Tu vois, il y a quand même un effet de cohérence qui, par rapport à ce que j'écris, était évident. Mais, et ça, je pense, c'est valable pour beaucoup d'auteurs, de te retrouver dans des situations professionnelles ou des situations collectives où tu as le luxe, parce que c'est un luxe, et le confort de dire aux gens, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi y accéder tout à l'heure en rentrant chez vous par un simple clic. Franchement, c'est inestimable. Et par rapport au, si tu veux, à la question de la légitimité de l'auteur, ça a un impact aussi, parce que, en fait, une fois que tu as écrit un livre, t'as pas envie de passer pour un branleur. Et t'es à la fois content du statut que ça te donne, et puis t'as en même temps, t'es méfiant de ce que tu pourrais laisser croire ou de ce qu'on pourrait croire qu'en gros, maintenant, tu te la pètes, quoi. Et quand tu peux dire à des gens, je fais quelque chose qui est en même temps gratuit et qui est accessible, c'est comme si tu travaillais à équilibrer tout ça, quoi. Ça rentre dans cette balance-là, si tu veux. Alors, sachant que la première des choses que tu travailles, c'est comment tu es ni pédant, ni... Enfin, tu vois, c'est comment tu gardes de la simplicité et que tu ne te la joues pas, quoi. Mais dans cette inquiétude ou dans cette possibilité d'être accessible, de rester accessible, eh ben, mine de rien, c'est tout sauf anodin de pouvoir dire à des gens, ce que j'ai fait, on peut l'acheter. Mais je peux aussi vous l'offrir comme ça. Voilà, c'est un PDF, c'est simple, c'est comme ça, vous pouvez le prendre, quoi. Et ça, si Benjamin n'avait pas insisté là-dessus, je pense que je ne l'aurais pas fait, parce que le réflexe naturel, c'est quand même de te dire, j'en ai chié pendant des années pour en arriver là. La valeur de mon travail, c'est aussi d'être un objet qui est joli, qui m'a coûté et qui coûte un prix. Je vais quand même pas... immédiatement tout donner gratuitement, tu vois, il y a une espèce de réflexe défensif, et lui il a su le désamorcer,
Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir fait ce choix et ce choix, je ne l'aurais pas fait sans lui, quoi. Merci à Jérôme d'avoir répondu à nos questions pour ces deux épisodes. Son témoignage était vraiment important pour apporter un peu un point de vue extérieur sur le travail qu'on fait, on va dire. Les questionnements autour de la notion de contrat et plus généralement l'acte de création en tant qu'auteur, c'est des questionnements directement ancrés dans le sujet de la propriété intellectuelle. Et ça fait partie des sujets dont on s'efforce d'en parler aux éditions du commun et d'en faire parler. Oui, effectivement, donc, du mieux qu'on peut. Donc, je le rappelais sur le fait que c'est un préalable à chaque rencontre avec un futur auteur ou une future autrice éditée aux éditions, dans toutes nos interventions publiques, le podcast qu'on fait partie, et aussi auprès des collègues modestement. On avait aussi commencé à initier sur Rennes et les alentours, donc où nous sommes basés, un cycle pour questionner tout ce travail-là. Et on a notamment trouvé un peu notre équivalent dans le milieu du théâtre et du spectacle vivant, oui, avec Antoine Defourte, qui a fait partie d'une compagnie qui s'appelle l'Amicale de production, je crois, dans les Hauts-de-France, vers Lille, et qui a créé un spectacle qui s'appelle Un faible degré d'originalité, et qui est un spectacle qui a le mérite de creuser, décortiquer, vulgariser au sens vraiment amélioratif du terme l'historique de la propriété intellectuelle et de comment c'est construit autour, les droits d'auteur, les droits patrimoniaux, la question de la rémunération, etc., avec le regard du spectacle vivant. Et donc c'est intéressant de voir le vis-à-vis avec des similarités fortes dans l'idée de création même d'une œuvre, et après avec les différences liées aux différents modes de diffusion, le papier pour nous principalement, et eux les représentations. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que Antoine Defourte a poussé la démarche jusqu'à mettre effectivement son œuvre sous licence Creative Commons. Et donc, on peut consulter son spectacle dans différentes versions et donc même des évolutions, des mises à jour en ligne, et ce, gratuitement. Pour l'anecdote, quand on a commencé à communiquer autour de cette projection de son spectacle l'année dernière, on a été directement contacté par Antoine Defourte, qui nous a à ce moment-là proposé d'utiliser la dernière version de son spectacle sur YouTube et nous a transmis le lien. Donc là, ouais, on est vraiment dans la libre diffusion de l'œuvre, dans l'exemple, quoi. Tout à fait. Et ce qui est intéressant de rappeler, c'est que Antoine Defourte vit de son métier et vit notamment des représentations. C'est-à-dire que la diffusion des vidéos est, elle, gratuite et libre, mais ça n'empêche que des gens continuent de le faire venir, le faire intervenir, parce qu'on sait que, comme un livre papier n'a pas le même impact qu'une vidéo en ligne, un spectacle vivant mis au travail par une scène, une salle qui l'accueille et un public en direct ne crée pas les mêmes choses non plus dans l'appropriation de son œuvre et des savoirs qu'il nous partage. Et du coup, dans ces questionnements à l'origine, on va dire, de la propriété intellectuelle, à l'origine historique, il y avait déjà des vrais questionnements sur qu'est-ce que c'était qu'un auteur, qu'est-ce que c'était qu'un processus créatif. Tout à fait, et c'est là où vraiment je trouvais le travail d'Antoine Defourte inspirant, c'est qu'il se met à jouer de manière forcément non exhaustive et symbolique des fois les débats de l'époque, mais moi j'ai gardé en tête vraiment de personnalités sur les débats qui ont traversé un peu le début du siècle des Lumières après Gutenberg. En France, c'était porté par, on va dire, deux versants, Denis Diderot d'un côté et Nicolas de Condorcet de l'autre. Et donc, il y avait vraiment deux regards différents sur qu'est-ce qu'être créateur d'une œuvre. Il y a Diderot vraiment qui envisager les idées comme des vapeurs qui planaient au-dessus de nos têtes et que vraiment l'originalité d'un créateur ou d'une créatrice était d'arriver à capter ces idées et d'enfanter une œuvre, et donc dans cette idée même d'enfanter, d'être la seule origine même de cette œuvre originale.
Et en face, on a Nicolas de Condorcet qui réengageait le débat en disant qu'on ne peut pas faire fi du contexte dans lequel on vit et de notre environnement, et que l'œuvre, elle est forcément en partie toujours inspirée et jamais totalement originale, parce qu'elle est imprégnée et imbibée du contexte culturel, artistique, sociétal dans lequel on vit. Et donc ça, c'est un regard qui nous parle forcément beaucoup plus aux éditions du commun, notamment dans ses licences libres, c'est-à-dire que comme on considère qu'une œuvre est forcément partie d'un pot commun, il y a cette idée-là de Nicolas de Condorcet de réengager, de remettre notre œuvre disponible dans le pot commun. Et ce qui me fait dire qu'on a vraiment des situations aberrantes aujourd'hui où déjà, des fois, il faut payer un certain prix pour pouvoir accéder à un savoir qui n'est disponible que dans une version papier. Et je ne parle même pas du fait que certains livres finissent par être épuisés, jamais réédités, et quid donc de l'accessibilité de ce savoir-là, quoi. Ça montre bien que la question du statut de l'auteur, la question du statut de l'œuvre, c'est des questions qui sont très anciennes et qu'on n'est pas prêt de régler aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, les auteurs sont un corps de métier bousculé par de nombreux enjeux et de nombreux questionnements qu'on n'aura pas forcément eu le temps d'évoquer ici aujourd'hui. En repartant effectivement du titre de cet épisode qui est le fait d'être édité, c'est bien de rappeler qu'on a essayé de porter cet épisode-là depuis notre point de vue d'éditeur, même si on a intégré d'autres interviews, d'autres regards. Clairement, on n'a pas fait le tour, que ce serait intéressant de pouvoir confier le micro, et certains déjà le font par eux-mêmes, à des auteurs, autrices, les premiers concernés, pour évoquer effectivement la complexité avec des réformes qui tombent, qui continue de précariser le métier, des injonctions à toujours plus d'autres formes de travail qui n'est pas simplement créer une œuvre, mais devoir la dédicacer, la porter, l'animer devant des publics qui sont plus ou moins jeunes et qui rappellent plutôt d'autres compétences que simplement le fait d'être créateur ou créatrice d'une œuvre. Et il y a aussi plein de gens aujourd'hui qui se mobilisent. Je pense notamment à l'association La Ligue des auteurs professionnels qui se bouge énormément pour réévoquer, critiquer, mettre au travail aujourd'hui cette condition-là et de pouvoir en faire autre chose. Et moi, j'ai en tête le fait que on a réussi, et c'est jamais acquis définitivement, à avoir un statut comme l'intermittence du spectacle pour justement d'autres domaines de la création, et que aujourd'hui des statuts comme ça, on pourra en débattre prochainement, ou n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des choses à nous dire, mais sur le fait que l'intermittence pourrait être quelque chose d'intéressant à penser, sur le fait de pouvoir rémunérer quelqu'un pour autant pour ses temps de production que pour ses temps de jachère, de non-production, qui sont propices à la création. Toutes ces références et plus, vous les retrouverez en annexe de l'épisode. On vous donnera le lien du dernier spectacle mis à jour de Antoine de Fourthe. Mais en l'occurrence, c'est la fin de l'épisode 2 de La Mécanique du Livre. On espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous évoquerons un point qui nous tenait particulièrement à cœur lors de la réalisation de cette série, celui de la gestion administrative d'une maison d'édition. D'ici là, on vous souhaite un excellent mois et à très bientôt.